Non, non, non. Je suis pas maquillée pour rien. Non. Bonjour tout le monde. Donc je m'excuse encore pour le radiateur en fond, hein, on a l'habitude maintenant. Mais oui, ça t'ennuie ce que je dis, hein, oui. Mais donc je vous retrouve exceptionnellement face caméra. Bonsoir. Vous tapez ma vieille tête parce que je compte faire un vlog aujourd'hui. Donc on va aller se promener. On va aller faire un petit peu les magasins et donc je vais vous emmener avec moi. Et on va peut-être aller voir la mer aussi. Donc voilà, je vais filmer tout ça et j'espère que ça vous plaira. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Me revoici, alors on est rentré, il est 17h, je crois, 17h30, et clairement pour vous dire, j'ai l'impression que là, il est 2h du matin, j'en peux plus, je me suis réveillée cette nuit, à 3h30, et puis comme j'ai des horaires n'importe quoi, enfin bref. Donc je suis réveillée depuis 3h30 ce matin et j'ai fait des petites choses, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des trucs. Et puis donc là voilà, il est 17h30 et j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie, donc si j'ai les yeux complètement défoncés, les yeux rouges, une tête de popo, c'est normal. Hein. J'ai l'impression que là, que j'ai couru un marathon et puis et qu'après j'ai monté le Kilimanjaro, donc voilà, j'en peux plus. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais des vlogs dans le sud, je fais la même chose, mais en fait c'est parce que je fais toujours la même chose quand je suis ici. On va faire les magasins, on va voir la mer, tout ça, donc ce sera un petit peu répétitif, mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Donc voilà. Donc, je revenais pour vous montrer mon petit pactole. Alors d'abord, on est passé chez Action, mais j'ai quasi rien trouvé parce qu'en fait, on est mardi et genre les nouveautés, c'est mercredi. Et j'avais déjà vu les trucs de cette semaine, donc du coup, je t'ai dit que c'est juste demain en fait les trucs, mais bref. C'est point grave. J'ai trouvé ce truc là sur lequel vous êtes en ce moment même installé.
Donc c'est un truc pour tenir le téléphone, tenir l'iPhone. Et comme vous le savez, moi je filme avec mon téléphone. Donc j'ai déjà une barre qui se plie là comme ça pour filmer notamment les faces mimines et tout ça. Mais déjà elle est en train de rendre l'âme et en plus ça c'est plus pratique quand on est face cam et tout. Et donc j'ai voulu essayer. Pour l'instant ça va, c'est la première fois que je l'utilise, hein, ça va. Mais je vais voir ce que ça donne, je vais voir si je peux en faire quelque chose genre pour filmer face bureau ou pas, ou enfin bref. Et donc ça c'était dans les environs de 2€. Donc voilà. Et chez Action j'ai trouvé que ça et je me suis racheté un backup de vous savez la j'ai plus de mots dans mon cerveau tellement je suis fatiguée. La bague qu'on met derrière les téléphones là, que je mets derrière mon téléphone pour soit tenir mon téléphone soit le mettre en position comme ça quand je regarde une vidéo, enfin bref vous savez j'ai déjà montré dans un haul. Et je me suis pris un backup parce que j'aime trop et j'ai peur qu'elle se barre la petite bague, donc voilà c'est tout. Et sinon je suis allée au rayon craft et compagnie, mais il n'y avait pas de nouveauté, donc voilà, j'ai rien trouvé. Ah mais si, je l'ai trouvé, ma petite bague, donc c'est ça, voilà. J'ai expliqué pendant 4 heures, mais c'est ça que j'ai acheté. Donc je me suis acheté un backup. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Cultura. Ma vie. J'ai acheté n'importe quoi. En fait, à chaque fois que je vais là-bas, j'achète n'importe quoi parce que... Enfin, n'importe quoi. Mais des trucs... Bah, soit que je vois en solde ou que je vois sur le moment et que je veux, enfin bref. Et qui n'étaient pas sur ma wishlist Amazon, mais que comme je les ai vus, je me suis dit, ah, finalement je les aime bien, donc là, voilà. Bref. Mais ce qui n'était pas du n'importe quoi, c'est... Mes précieux... The Precious. Bref, je me suis pris des polychromos au détail. En fait bizarrement il n'y en avait pas beaucoup, enfin je m'attendais à ce qu'il y ait genre toute une rangée avec plein de polychromos et en fait bah, il n'y avait pas beaucoup de couleurs et le peu qu'il y avait, j'ai déjà dans moi en fait les polychromos j'ai déjà la boîte de 12, donc la plus petite boîte, et donc tous ceux que je voyais dans l'étagère je les avais déjà puisqu'ils étaient dans la boîte de 12, mais j'ai pris un petit peu des couleurs que j'avais pas et que j'ai trouvé un petit peu... un petit peu original, donc je me suis pris. En plus ça c'est ma couleur préférée, donc I'm so happy. Bref, dis les couleurs et tais-toi, hein. Je me suis pris cobalt green for the English speaking. Mais en fait les magenta, il y a toujours écrit magenta hell, genre l'enfer magenta, et après light magenta. J'ai aussi magenta hell et dark magenta ou un truc comme ça. Bref, c'est light magenta celui-là. Je sais pas pourquoi ils les appellent magenta hell. C'est peut-être une collection. Je sais pas. Ah non, c'est en allemand. Non? Si, c'est light en allemand. Putain, light en allemand, c'est hell. C'est genre enfer en anglais. Apprenez des langues sur cette chaîne, oui. Mais pourtant, j'ai appris l'allemand, hein, mais j'ai jamais appris clair en allemand. Clair, c'est hell. Genre H-E-2-L et c'est genre enfer en anglais. Du coup, c'est pour ça que je comprenais pas. On écoute, hein. Je suis vraiment fatiguée, hein, ça se voit. Bref, cette couleur là c'est light cobalt turquoise, donc light cobalt turquoise, et donc là ils ont cobalt turquoise hell pour light. Bref, j'ai appris un truc, je suis contente. Bref, celui là c'est le earth green, oui, donc c'est le vert de terre.
vers de terre. C'est pas vers de terre, genre vers de terre. C'est genre Earth, c'est la terre, la planète Terre. Oh putain, je pète un câble. Et donc c'est le vert de la planète Terre. Mais du coup, ça fait le vert de terre. Someone stop me. Je mets 4 heures pour dire les couleurs. Donc Earth Green. Celui-là, c'est Cinnamon. Donc Cinnamon, c'est... je vous fais des traductions, personne ne sait pourquoi. Ça veut dire cannelle en anglais. Oui, Cold Grey 2. Donc gris froid 2. Apprenez l'anglais sur cette chaîne. Et celui-là, c'est Violette. Donc violet. Donc voilà, toutes ces jolies couleurs en plus de polychromos, j'ai trop hâte de les utiliser. Oh là là. J'ai même envie d'abandonner le coloriage que je suis en train de faire en ce moment pour utiliser que ça. Mais bon, on va se calmer. Et donc voilà, et donc c'était la peau des fesses l'unité, hein, mais de toute façon, enfin remarque, ouais, hier j'ai acheté des Inktense, c'était 2,20 l'unité, puis là c'était 1,50 je crois l'unité. Donc, mais bon, la peau des fesses quand même, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est les polychromos. Voilà. Ensuite, dans la série j'achète n'importe quoi, j'ai acheté des promarqueurs, personne sait pourquoi. Enfin si, moi je sais pourquoi, parce qu'il y avait le truc là, alors du coup j'ai cru que c'était une affaire en or. Oui, parce que normalement, ce pack là, quand il n'y avait pas la réduction, il était à 39 quelque chose. Sauf que j'ai vu que sur Amazon, ils font la réduction comme ça aussi. Donc vous aurez le même prix sur Amazon, je vous mettrai les liens comme d'habitude, mais... vous aurez le même prix que ça, hein. C'est pas une grosse promo, c'est la promo d'Amazon, donc bon. Voilà, mais n'empêche qu'au départ, ils étaient à 39,90€, et là, je les ai eus à 27€. Et c'est vrai que je dis toujours que les feutres alcool, il n'y a pas besoin d'investir, que les twin markers, ils sont très bien et tout. Mais, voilà, c'est tout. Donc je vais les tester, je vais les comparer aux twin markers et du coup je vous dirai si vraiment il faut investir ou pas. Je sais qu'il y a les... J'ai vu les Copics dans le rayon, mais genre c'était 5€ l'unité. J'étais... Oui. Parce que là il y en a 12, ça m'a fait 27€ si on divise. Je sais pas calculer. 12, 27 si on divise. Mon téléphone il est là donc du coup je peux pas calculer. Mais bref, ça fait pas 5€ l'unité. Vous remarquez que les maths et moi. Hein. Pourtant j'ai fait bac S. Hein. Mais j'ai eu 9 en maths. Oui, bref, ça fait pas 5€ l'unité. Donc les Copics, oui, mais non. Donc je pourrais pas les tester pour vous. Mais en tout cas, je pourrais tester les promarqueurs parce que maintenant j'ai ce petit set de promarqueurs. Et donc je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Et puis j'essaierai de faire un dessin que... Enfin un dessin un peu. Un coloriage que avec ces marqueurs alcool. Voir ce que ça donne. Aussi j'ai bien aimé parce qu'il y a pas mal de couleurs peau. Donc là on a, je peux vous dire les couleurs pour ceux qui les connaissent. Mais si je sais les lire. On a safran. Rayon de miel. Attention. Gris masilla, donc ça c'est un gris, mais ces deux là ça fait un petit peu couleur peau. Un rouge qui s'appelle pavot, un bleu clair qui s'appelle aqua frais, on a bleu pétrole, j'adore cette couleur, c'est un peu les turquoises, moi j'adore les turquoises donc je l'ai dit au moins 5 fois depuis tout à l'heure, donc voilà j'adore. Et puis celui-là, oh, putain, pardon, celui-là il s'appelle vert doux. Et donc dans la série des couleurs peau, voilà, il y avait celui-là et puis il y avait aussi celui-là qui est ici qui s'appelle grès. Donc il peut faire aussi une jolie couleur peau. Ici on a un gris... Non, c'est même pas un gris, c'est aqua frais. Non ? J'ai déjà dit aqua frais ? J'ai déjà dit aqua frais. Vert doux. Vert olive celui-là ? Oui. Ah non, ça c'est un gris. Oh putain. I am lost. C'est quoi ça? Ah, c'est peut-être un blender. Because je vois rien dessus. C'est peut-être un blender.
Peut-être que c'est un blender. S'il y a des blenders, donc peut-être que je devrais ouvrir la boîte. Ça serait peut-être mieux pour lire. Hein? Ah bah oui, c'est mieux. Et du coup, il y a écrit blender. Donc oui, c'est un blender. Donc là, j'ai un blender. Un petit gris froid. 4, gris froid 2. Celui-là, c'est aîné. Donc c'est pareil, pour couleur peau, c'est très bien. Le grès et le vert olive. Donc voilà, c'était un petit set comme ça qui s'appelle un set manga. Donc ils ont plusieurs sets manga chez ProMarker. Et là c'est le numéro je sais pas combien déjà. 2. Bref. Et donc ouais, il y a 1. Qu'est-ce que je pourrais. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a au moins 5 couleurs que je pourrais utiliser comme couleur peau. Donc je me suis dit que c'était pas mal. Et voilà. C'est tout. C'est juste pour la petite promo et j'ai trop hâte de les tester, enfin bref. Voilà. Et puis dans la série J'achète n'importe quoi. And Johanna Basford. Parce que à Cultura, il n'y a pas grand chose à part Kirby Rosanne et Johanna Basford. Sinon, hors Disney, il n'y a rien. Et puis des Johanna Basford, j'en ai pas, mais j'ai déjà regardé des présentations, des flip-throughs, et c'était celui-là mon préféré. J'ai pas, enfin je pense que le Christmas ça serait mon préféré, mais j'ai déjà trop de livres de Noël, faut que j'arrête. Mais en tout cas celui-là c'était voilà, celui que je préférais le mieux. Que je préférais le mieux, ça veut rien dire. Que je préférais le plus, bref. Voilà, c'est... Je pense que vous connaissez hein, Forêt Enchantée, mais j'aime bien notamment le petit renard. Le petit écureuil, je trouve ça trop beau. Et puis voilà, il y a 2-3 pages. Il y a 2-3 pages que j'aime bien. Et 2-3, 4-5, même il y en a plein que j'aime bien. Et puis si vous voulez une présentation en entier, n'hésitez pas à me le dire. Je verrai. Ben, je vous la ferai avec plaisir. Hein, de toute façon. Voilà. Mais vous devez connaître un petit peu Forêt Enchantée. Et donc voilà, je me suis dit, si je m'achète un jour un Johanna Basford, ce serait celui-là. Donc là, comme j'avais envie d'acheter un livre, ben c'est celui-là. Voilà, c'est tout. Et en même temps, j'ai trop hâte. Je l'ai vu terminer sur une chaîne anglaise et j'ai trop envie de... Enfin, ça m'a trop donné envie de colorier dedans. Et en plus, il y a ce petit château qui vient dans plusieurs images. Et heureusement que j'ai regardé les vidéos et que j'ai remarqué avant, parce que genre c'est toujours le même château. Donc on est censé, enfin si on veut suivre un petit peu l'histoire du bouquin, hein, c'est censé être de la même couleur en fait. C'est juste qu'il y a des vues de près, de loin et tout. Donc je ferai attention quand je colorierai ce bouquin de faire le château toujours la même couleur et des trucs comme ça. Il y a des trucs, c'est un petit peu des zooms sur les parties du château ou des trucs comme ça, donc c'est une petite histoire et j'aime bien, c'est sympa. Donc du coup, il faudra que je fasse attention maintenant que je le sais. Mais voilà, pareil, trop hâte de colorier là-dedans. On est passé chez Tiger. Donc c'est un... À la base, je crois que c'est un magasin, je sais plus si c'est anglais ou américain. Je crois que ça vient d'Angleterre. Mais ouais, Tiger, il y en a un là où je vais dans le sud. Mais j'en ai pas trouvé beaucoup chez moi, il y en a pas. Donc voilà. Mais c'est un petit magasin pas cher, style action, mais en moins bien. Et puis bref, tout ça pour dire, j'ai acheté ceci. Ça va faire beaucoup de bruit là. Donc j'ai acheté des petits élastiques. En fait, tout simplement parce que je me suis rendu compte l'autre coup quand j'étais en train de poser ça. J'étais en train de ranger mes feutres et en fait je voulais les ranger par couleur et mettre un élastique autour une fois que je les avais rangés. Et j'avais pas d'élastique. Donc la dame a acheté des élastiques. Super haul. Ensuite, Primark. Enfin ensuite et enfin, je vous rassure, ça va pas durer 4 ans. Donc chez Primark j'ai trouvé le Graal. J'ai trouvé plein de trucs trop sympas. Donc déjà j'ai trouvé celle-ci. Tada. Je le trouve trop mignon ce sac. Il était 8€ comme vous pouvez le constater. Et c'est cher mais je m'en fiche. Parce qu'il est trop beau. Et en fait à la base je pense que c'est un sac pour mettre le maquillage. Mais devinez qu'est-ce qu'elle va mettre la dame. Parce que j'aime bien le maquillage aussi, mais en ce moment je suis à fond dans le coloriage, donc forcément je mets du coloriage. Et donc, je vous montre un peu plus près. Oups. Voilà, c'est Bambi.
et style un petit peu sketch comme ça, je trouve ça trop mignon. Et donc c'est un petit sac qui s'ouvre comme ça, comme ceci, et vous avez deux pochettes à l'intérieur qui ferment, et je trouvais ça trop bien. Donc pour ranger le matériel de coloriage, franchement c'est trop top. En fait on prend un livre et puis on prend tout notre matériel dans ce petit truc là, et c'est trop classe, j'aime trop. J'adore, j'étais trop contente quand j'ai lu, et je me suis direct vue mettre mes crayons dedans et tout, et voilà, j'adore. Déjà dans mon précédent vlog où j'étais ici, j'ai du mal à vlogger ou à filmer des vidéos parce qu'en fait c'est comme s'il n'y avait pas de porte dans cette maison, donc c'est comme si je causais avec les gens à côté, enfin bref. Donc du coup je dois attendre que ce soit calme, enfin bref. Donc voilà, je vous montrais cette petite pépite, je suis trop contente de l'avoir trouvée, franchement. Pour mettre mon matériel dedans, j'aime trop. Et en fait ouais, les produits Disney chez Primark, enfin après je sais pas combien c'est à Disneyland Paris, mais à mon avis c'est pas donné, mais les produits Disney à Primark, je trouve ça pas mal, d'où le reste de mon haul. Bon, je vais vous montrer comme ça me vient, hein. Le reste c'est des vêtements si jamais. Donc je me suis pris que des pyjamas, hein, parce que c'est mon habit de travail, n'est-ce pas. Et donc pour 5€, je me suis trouvé ces petits pyjamas. Donc c'est ouf. C'est un petit pyjama léger avec un petit short comme ça. Mais déjà j'ai trop rigolé parce que regardez, c'est un panda. Et en fait, soit il dort, soit il boit du café, soit il est genre emmitouflé dans une... Il était là. Dans une couette et puis il regarde l'ordi. J'aime trop. C'est trop moi, donc bref. Voilà. Et puis le t-shirt dit... Hein? Do not disturb before coffee. Donc voilà. Précieux number 2. J'ai trouvé les pyjamas Disney. Donc dans les pyjamas Disney, il y avait... Tadam! Celui-ci. Donc La Belle et le Clochard, qui est mon dessin animé préféré. Et donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Il y a écrit That's Amore. Trop chou. Donc ça c'est le haut. Avec Lady and the Tramp. Et en plus j'aime trop les étiquettes qui étaient. Derrière c'est Rose Gold. Qui était. C'est Lady. Et pas trop chou. Oh j'adore. J'adore trop. Donc c'est un haut à manchon comme ça. Et puis le bas il est rayé. Et vous avez cette image là. C'est trop trop beau. J'aime trop. Et il y a écrit Lady and the Tramp là. Avec un beau petit nœud. Enfin bref, c'est trop chou. C'est trop beau. J'aime trop. Il y avait aussi des chemises de nuit. Et je sais plus quoi. Ouais, je crois que c'est tout avec Lady and the Tramp. Mais sinon il y avait Mickey. Il y avait plein de trucs. Et aussi j'ai trouvé des t-shirts à 1€. Donc voilà, c'est Primark. Hein. Mais donc un petit t-shirt comme ça, rayé, tout simple. Et puis un bleu un peu pâle, turquoise, comme ça, tout simple. Et les deux étaient à 1€, donc voilà, c'était pas mal. Et puis sinon, le dernier truc que j'ai trouvé, faut que je les retrouve parce qu'ils sont minuscules. Ce sont des petits vernis, donc pareil, 1€. Donc j'ai pris un petit bleu comme ça. Un petit mint. Et puis celui-là avec les paillettes un petit peu licorne. Je trouvais trop beau. Donc voilà. 1€ les petits trucs. Après, faut voir s'ils s'appliquent bien et compagnie. Mais bon, je trouvais ça chou et j'aimais bien les couleurs. Et puis voilà. Je crois. Oui. Je crois que c'est tout pour cet immense haul. Et sinon, c'est tout. Que j'avais à dire dans ce magnifique vlog. J'espère que ça vous aura plu quand même. Je sais pas si je referai des vlogs ou si je referai du face caméra ou pas, parce que pas avant longtemps, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais parce que voilà, des fois je suis dans le mood, hein. Là c'était un bon jour, donc j'ai profité de ce bon jour pour filmer et pour faire des choses. D'ailleurs c'est pour ça que là j'ai acheté plein de trucs et je suis sortie et tout, parce qu'en fait j'ai des jours comme ça où je fais tout d'un coup
Et après, pendant 3 semaines, je reste dans ma chambre enfermée. Donc bon, là, c'était un bon jour. Donc, on a fait tout en même temps, les magasins, la mer, tout. Et donc, voilà. Donc, c'était un bon jour. Donc, j'ai filmé. Mais après, face caméra, en même temps, le truc, c'est que le coloriage s'y prête bien. Parce que du coup, c'est plus pratique de filmer face mimine. Parce que du coup, on voit mieux ce que je montre et ce que j'explique et tout ça. Mais... mon radiateur, tu vas te taire? Oui, merci. Donc voilà. Mais sinon, voilà, c'est vrai que pour les livres, c'était plus sympa de montrer, pour les boucles et tout ça, de montrer... Je vous jure, j'en peux plus d'ici. Oui, donc pour les boucles, tout ça, c'était plus sympa de montrer face caméra, tout ça, mais pour le coloriage, voilà, comme pour là, pour vous montrer le livre, j'ai rien pu vous montrer parce que c'est un peu dur à montrer comme ça, mais bon, je sais pas, en fait, ça dépendra de si j'ai des beaux jours ou pas, donc je ferai du face cam ou pas, mais sinon c'est du face mimine parce que c'est beaucoup plus pratique et simple pour moi, mais j'espère que, voilà, que ça vous plaît quand même, j'espère que... ceci ne vous dérange pas trop, ma vieille tête là, mais voilà, de temps en temps quand je me sens je ferai peut-être des vlogs, peut-être des petits trucs comme ça. Donc je vous remercie d'avance d'avoir regardé ce petit vlog, j'espère que ça vous aura plu. Et du coup si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme d'habitude pour aider la chaîne et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut!